Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une présentation et un tuto des Giotto Style Novo Skin Tones. Je me les suis procurés le mois dernier. J'ai fait un coloriage dessus, donc je me suis dit c'est bon, je peux vous faire la vidéo, je peux vous les présenter. J'en suis complètement satisfaite. Alors si vous intéresse, je les ai trouvés sur Amazon à un prix de 6,84€. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo comme d'habitude. À l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver donc 12 couleurs de couleur peau. Ils complètent vraiment très très bien la gamme des Giotto Style Novo, la boîte de 50. Voilà, moi j'ai cette boîte là. Donc j'ai comparé un petit peu les couleurs. Et vous allez voir au niveau du nuancier, ils complètent vraiment bien. Les skin tones complètent vraiment bien les Style Novo boîte 50. Donc au niveau des crayons, donc il y en a 12. Je vais tous les sortir, hop là, comme ça vous voyez comment ils sont. Alors au niveau du nuancier, j'ai dû mettre des petites étiquettes parce que il n'y avait pas marqué, il n'y avait pas de numéro pour pouvoir me référer pour faire un nuancier. Donc au niveau de la qualité du crayon, c'est du Style Novo. Donc voilà, hein, qualité vraiment très bonne, mine vraiment résistante. Ils sont vraiment tendres quand on colorie avec, ils sont bien couvrants. Les couleurs se mélangent vraiment bien entre elles. J'en suis vraiment très 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 satisfaite. Et l'avantage de faire des petites boîtes de skin tones comme ça, enfin en tout cas moi c'est ce que je trouve, c'est ma pensée, c'est que on n'a pas vraiment besoin de chercher les couleurs pour réaliser nos couleurs peau, nos visages, nos portraits. Et ça je trouve ça vraiment bien parce que moi j'ai ce problème, c'est que quand je vais dans une boîte de Prismacolor, la boîte de 150 ou les Polychromos, les 120, les Giotto, même les 50, j'ai toujours du mal à trouver mes couleurs. Alors la première couche, je prends toujours celle-ci, mais après pour mélanger mes couleurs j'ai vraiment du mal. Et c'est vrai qu'en ayant que 12 couleurs dans une boîte, je trouve que c'est vraiment plus simple pour pouvoir trouver les coloris pour réaliser mes ombres et mes lumières. Je vais vous montrer la comparaison des Style Novo 50 avec les Giotto Skin Tones. Donc comme vous pouvez voir, les couleurs, c'est pas les mêmes. Alors la seule que j'ai trouvée, voilà, qui ressemblait beaucoup, c'est la numéro 6 des Giotto Style Novo boîte 50. La numéro 1, voilà. Et sinon, non. Après, voilà, peut-être la 2 avec le numéro 5. Mais c'est tout, voilà. Toutes les autres couleurs, elles sont vraiment complémentaires à la boîte de 50. Et ça aussi, c'est vraiment pas mal, il n'y a pas de doublon. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Je vais vous montrer le coloriage que j'ai réalisé avec ces crayons de couleur. Il est ici, voilà. Donc, pardon, excusez-moi. Tout le personnage est fait avec les polychromos, sauf la couleur peau. Tout ce qui est visage, couleur, peau, portrait, je l'ai fait avec les Style Novo Skin Tones. Et comme vous pouvez voir, les couleurs, elles sont là, elles sont super jolies. J'avais utilisé, je crois, 4 couleurs pour faire mes ombres et mes lumières. Plus, j'avais pris le blanc Prismacolor parce que celui-là, il reste juste indispensable pour moi pour faire mes coloriages. Donc voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je le trouve vraiment très très sympa. Alors, ce que je voulais vous faire en même temps dans cette vidéo, pour vous les présenter et puis pour que vous puissiez vous rendre compte du rendu de ces crayons, je vais vous faire un tuto. Voilà, je vais colorier la peau de ce personnage-là avec les Giotto Skin Tones. J'ai pris sur le Auguste Rêverie 3 Expression de Shintaka Erat. C'est le dernier livre que je vous ai présenté dans ma chaîne. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais vraiment que le portrait, hein. Je vous fais pas tout le coloriage en entier parce que c'est quand même un coloriage qui reste long. Donc voilà, je vous fais vraiment juste le portrait, comme ça vous voyez un petit peu. Mais voilà, je sais que je vous l'ai dit, mais ça reste quand même des crayons bien tendres, bien couvrants. La mine est résistante, les couleurs se mélangent vraiment très très bien entre elles. Et vous allez voir, je vais pas avoir de difficulté à faire ce portrait. J'espère en tout cas que voilà, ça va vous plaire. Donc un petit pouce, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous le fais en temps réel aussi, hein, pas de speed coloring.
Donc installez-vous bien dans votre petit canapé, votre petit fauteuil avec un bon petit thé et bon visionnage. À bientôt. Au revoir.